Bonjour tout le monde, ici Superfan, on s'appelle ça sur le dernier épisode de I'm Game. Semaine 2, jour 6 pour commencer, mais le jour 7 je le ferai dans la même vidéo. Pour rappel, qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier épisode? Voici les résultats des résultats sportifs de la journée, le 4 nages. J'avais fini deuxième en mode gros loose. C'est les Pilates qui ont gagné. L'équipe ayant montré le plus bel esprit de l'équipe et l'équipe brochée. Félicitations. Voici le résultat des autres épreuves sportives. Tir à l'arc. Tir à l'arc fait monter l'attention du public. Et un 2 points de près. Arcourcelle l'emporte. Et la voile, je sais, moi qui ai... Les gagnants ont su maîtriser les vents. Seule médaille d'or que j'ai gagné. Les amis ont les mieux maîtrisé le vent sont chapeau et amiral. Ouais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, bah tu chien tarot. Et oui, ce sera le dernier épisode et donc la même semaine, cette semaine même, vous allez avoir le retour de Street Fighter. Oui, le retour de Street Fighter. Je m'appelle Agrafé. Quoi, qu'aimerais-tu viser maintenant? Un part, de toute façon, on s'en fout. C'est pas trop tôt. Mais comment elle me parle? C'est la violence comment elle me parle. Voici les résultats de ce programme de la semaine, de la journée de ce mois. Wish. Wish. Enfin, le biche, vous. Fonce et donne-toi à fond. Ouais. On va dire à Tostad. Ou Roche. Ou Roche. Bah oui, bah. Je dois faire les deux journées et le marathon, je ne vais pas le faire, étant donné que c'est de la merde. Oh, ce échec, ce mauvais. J'aurais peut-être dû... Oui, j'aurais peut-être dû m'entraîner avant, parce que je sais plus comment ça se joue. La semaine 52. En même temps, j'ai un peu sauté avant la ligne. Ça va, c'est le mauvais revenu. C'est la semaine 70. Je crois qu'on m'explose. Quand on me bat. Ça... Premier, oh. L'épisode a commencé depuis 3 minutes et j'ai déjà une médaille d'or. Ah oui, j'ai dit on rush, hein, c'est le dernier épisode. Je trouve que ça va vite. La musique très yeah yeah. Ouh, j'ai gagné. La playlist va me manquer, hein, je le sais. La playlist. Oui, pour moi, c'est une playlist. Bon, natation synchronisée, on va pas y aller tout de suite, on va regarder la télé. Et oui, lors du générique, je donnerai mon avis final sur ce jeu. Bienvenue aux prédictions musculaires. Étonnant. Je vois énormément de chance. Trouvera le bon nuance du homme. Salut, ils ont donné quoi tes prédictions? Énormément de chance. Bon. Énormément de chance. Le dernier est là. Bon, maintenant il faut trouver une boîte.
Ah bah. Rappelez-moi, elle n'a pas été très dure à trouver. Oui, quand t'as énormément de chance, tu trouves un costume. Ah. C'est honnête, même si j'aurais préféré l'argent. La natation synchronisée, comment des pirates peuvent être synchronisés? Bah si, mais comment des pirates peuvent avoir de la beauté? Bon, je sais comment ça se joue, c'est un jeu de rythme pourri. Bon, il en existe plein. Allez, vous n'avez même pas à attendre, c'est déjà l'heure. On spamme le bouton A et le bouton B. Bah, le B, non, faut pas. Spam, 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 spam. Oui. Le tourbillon dans l'eau. C'est une chorégraphie ou... J'ai rien. Aïe. Spam, 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 spam le bouton A, spam le bouton A. Et ça marche. Oui. J'ai aucun rythme et je crois que je vais avoir une sale note là. Bon, le final. Bam, bouton A. Ça fait du mal à spammer, dis donc. 8,4. 9. Toi, t'es mort à la sortie. 84,66666. Pas sur quoi c'est de base, genre. Les éternels numéro 4. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Youpiu. Ouais. Alors ça fait, ça nous fait combien de médailles? Ok, sans pression, au revoir. La finale de Beach Volley, sortez les bikinis. Non. Ils ont plus le droit, ouais, c'est vrai, il y a une... On a 10 médailles d'or, 2 médailles d'argent et une médaille de bronze. Non, ils ont plus forcément le droit. À cause du truc athlétique, il me semble, le conseil athlétique. Ce genre de truc. Alors, tu cherches de faire des bonnes affaires? Oui. Non, je suis un pigeon, j'achète tout tout après. Ouais, j'ai un bon ceci. Tu vas avoir une... voilà. Attention, je méga feu. Mon chat. Le facteur a tué mon chat. Bon déjà le hamster il est fort hein. Pour tuer un chat avec son vélo. Tiens mon pognon. Et maintenant réessayage. Bon. Dernière épreuve du jeu. Bah pour moi parce que le marathon je ne le fais pas. On va quand même voler 2-3 graines. 2-3 graines, oui. Oui, on aura bien rushé, hein, dis donc. On aura rushé, on aura fait les 3 épreuves en 10 minutes.
pourrais gagner pour laisser les Giants gagner, avoir une médaille d'or, mais je suis pas comme ça, hein, sérieux. Oh, humiliation. Je sais, ça ne sert à rien, mais j'aime bien. Oulala, quel arrêt du lapin. Oh, le petit truc du lapin. Ah, tu peux pas test. Ça, c'est un problème de coordination qu'on y a là. Je m'en vais. Bon là, le match est donc très disputé. Ils me mettent des feintes, je déteste ça. Bon, ils ont compris que j'allais bloquer à chaque fois, je pense. Salopard style. C'est des malins, ils visent sur le côté, hein. Pas en soi que je puisse bloquer. La finale après tout. Ah, ah. on va faire ça pendant des heures. Deux, bon, trois. On les a sur la relance en fait. Oui, je m'en vais. Oh, comment je t'ai vomi dans la bouche là. Ah. Koto Rep style les gars, attention, Koto Rep. Littéralement ça le mec. Ça me terminerait de jouer perso. Qu'est-ce que ça veut dire perso? L'équipe c'est moi. Ce raisonnement. L'équipe, c'est moi. Ok, alors ça touche quand même alors que j'ai raté la balle. Hein. L'équipe, c'est moi. Et Findus. Non. Et Schmitt. L'équipe, c'est moi. Et Schmitt. Placement de produit. Ça, c'est fait. J'enlève ça de ma liste. Ah, j'ai touché le filet. J'ai touché le ballon avec mon ventre. Oh. 6-3, attention, 6-3. Il faut leur faire des feintes. Il faut leur faire des feintes. S'attendent pas à faire ça. Oh, on a gagné. Po 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 po. On a gagné. Les pirates ont donc dernier. Et les Jenga remportent une médaille d'argent. Perdu, vous êtes dernier. Les pirates derniers en mode loose. Bon bah on récupère beaucoup d'argent là sur nous on est invincible. Bon bah c'est parti pour la dernière journée que je ne ferai pas. Eh squatter, je t'ai reconnu avec ta tête. Regarde moi quand je te parle. Ah oui, je suis okay. Tu fais la squatter. Toi aussi t'es un squatter. Toi t'es un gros squatter. T'es pire que les autres, toi. Tu fais rien, tu dors. Je suis après à me demander si t'es pas une sculpture en fait.
11 médailles d'or, 2 médailles d'argent, 1 médaille de bronze. Les Indiens vont revenir avec 2 médailles d'argent. Alors comment un tarot pourrait dormir alors qu'il y a un connard qui a... Ah là là, je joue très très mal de la guitare. Je vais faire du Philippe Lalanne, c'est-à-dire claquer ma guitare au sol. La dernière fois du tournoi sera le marathon. Tu as compris? Non. Tu as compris? Voilà, tu as compris? Non. Pendant 50 tours. Si, on va faire tout le marathon. On va faire tout le marathon en roue libre. C'est-à-dire, je vais essayer de courir au rythme, mais c'est infaisable. En gros, appuie en rythme et appuie selon ce rythme. Si tu veux bien se finir, la musique s'accélère. J'avais compris que la musique changeait à chaque ravitaillement, au point que ça devient infaisable. À un moment, tu dois faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mais après, ça change tellement le rythme que ça devient n'importe quoi. Bon, c'est parti. Là c'est facile, le rythme est facile à avoir. Ça fait mal aux doigts. Premier, j'ai fumé tous les autres en mode gros sprint. Voilà. Ah, celui-là, ça va encore. Ils m'ont pas encore rattrapé, hein. J'ai le rythme, putain! Je parle pas, je suis concentré. Oh putain, l'avance que j'ai. Bon, c'est mort pour record. Ouais, là, celui-là, je le connais pas. Je le connais pas du tout. Oh, alors celui-là, il est complètement débile. Pas la voir là, celui-là. Non, celui-là il est trop dur. Bon, il est trop dur à avoir de rythme. Autant les premiers ça va, je peux gérer. J'ai géré celui-là, mais il est infaisable. Non, bon, bah, salut, Brochet. Salut, Vita. Je dois te faire fumer à l'arrivée. Non, mais ce rythme-là, il est de trop, quoi. Non, il est trop hard. Je comprends rien, quoi. Moi, bon, Midou est dernier. Non, celui-là, il veut rien dire, quoi. Autant les premiers, ça va. Bon, Midou va me dépasser parce que le dernier, c'est de la merde. C'est dit.
plus le rythme. Là, je ne touche plus la manette, j'y arrive pas. Il est beaucoup trop hard ce rythme là. Ah, il s'amnique la main, quoi. Bon, salut Amidou, il m'aura dépassé sur la. Non, celui-là il est beaucoup trop dur et. Ah, ma main! Ah. Non mais je comprends pas en fait, il y a un moment, il y a trois trucs de trop en fait. Bon bah voilà le dernier ravitaillement mais c'est trop tard. Là ça va. Dernier malheureusement, mais j'aurais fait. Le problème en fait, c'est il y a un moment, c'est le moment, l'avant-dernière zone est trop longue. À 4 minutes, je suis arrivé, à 4 secondes près. Cette zone est beaucoup. En fait, le rythme, il est. Je sais pas, il est bizarre en fait. J'arrivais pas à m'habituer à ce rythme. J'ai appuyé. Alors que le dernier, je l'avais jamais fait. J'y ai réussi à m'habituer. À suivre le rythme. Dernier. Dommage, on était tous avec toi. Je suis pas triste. Tu as réussi à me tarot, tu es finalement devenu ami ou avec tout le monde. Tu es vraiment quelqu'un de spécial, ton premier voilà pour toi. C'est pas. Ça a jamais autant eu de sens. Je me souviendrai toujours de ce moment. Il s'est passé bien des choses, mais je suis content d'avoir organisé ce tournoi. J'espère qu'on restera bien en ami. Bon, on va regarder la carte pour celle-ci nous autorise. Ouais. Allons-y, tout le monde attend. Eh ben non. Je sais pas comment il peut réussir à dormir alors qu'il y a tout le monde qui est en train de gueuler comme des porcs. Félicitations à tous, à tout le monde. Nous allons annoncer l'équipe finale. Quelle équipe a le plus de médailles? L'équipe ayant remporté le plus de médailles d'or et... C'est nous. L'équipe AMAM. Quel suspense. Bien joué, félicitations. Et merci à tous les participants pour leur aide et leur soutien. C'est pas trop tôt. Récompensons encore une fois pour nous amuser. Nous en donnerons à fond pour le prochain tournoi. Au revoir. Staff crédit. Ah oui, donc c'est pas le marathon du coup. C'est les cartes. Donc vous verrez la salle de la course. Et la musique n'est pas pareille. Alors, un game. C'est un bon jeu, oui, mais un peu répétitif à bourre, mais ils ont rajouté 2-3 éléments, et c'est pas si chiant que ça. Alors, il est né le 24 juillet. Oui, juillet. Alors, eux, ils sont tous un numéro 1, quoi. Et la musique de victoire, quoi. Alors, c'est un très bon jeu, il est répétitif, il y a certains mini-jeux qui sont complètement à l'est. Sont très pourri, ouais, non, c'est le gameplay qui me plaît pas, les jeux free, par exemple le marathon, il est pas forcément plaisant. Après historiquement il n'y en a pas vraiment d'histoire, c'est juste une compète entre potes, on peut dire ça, entre hamsters, et bah, ça permet d'avoir des amis, tout ça. Alors il y a d'autres jeux que j'ai pas fait, les jeux avec le basket, bon, c'est vite fait, tu
tu l'as fait vite fait une fois, tu dis ouais c'est de la merde, et tu arrêtes. Après il y a les musiques à avoir, mais bon, ça. Ça c'est pas mon massage de tête, je le ferai pas. Et quoi d'autre Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur ce jeu? Bah graphiquement il est plus beau que les autres jeux tarot. Hein. Même si l'histoire c'est de la merde, c'est pas. Bah y a pas d'histoire vraiment, c'est des mini-jeux. Quoi d'autre? Bon. Les décors, bon, c'est pas mal, mais. Le fait d'acheter des costumes, bon ça peut être sympa, hein, ça permet de customiser son personnage. À l'époque, en 2004, c'était pas une mauvaise idée. Mais le fait que se promener qu'avec Amtaro, ça peut être un long un moment. J'aimerais bien te promener avec d'autres personnes, voire même être avec une autre équipe. Genre peut-être certains ont peut-être aimé être avec les pirates, d'autres avec les jungles. Aussi les épreuves qui soient scriptées, les résultats scriptés, c'est-à-dire que c'est sûr que ce soit lui qui va être deuxième, l'autre troisième, enfin le quatrième, ça dépend certaines épreuves. Le jeu est fait en 2004, je pense qu'ils auraient pu faire un petit peu d'aléatoire, même si les arcs-en-ciel doivent être les plus forts et souvent en deuxième, au pire tu rajoutes un facteur chance. Un facteur chance sur certaines épreuves. Shigeru Miyamoto. Et on arrive à l'avant-dernière épreuve. On sent que c'est celle de. Ouais. Satoru Iwata, oui, bon, les jeux Nintendo. Et voilà. C'est la fin de ce Let's Play et un tarot. Ouais, bon, il va me dire oui, bravo. Allez, recommençons avec nos amigos. Non, on ne recommencera plus. C'est terminé, mon cher Courcelle. J'ai gagné deux fois, j'ai fait tout ce que je voulais. Sur ce jeu, il va nous remettre son jeu titre. Je pourrais faire un tournoi. Il me semble, oui, il y a les parties libres. On peut refaire aussi toutes les épreuves. Voilà. Libre choix. Allez, ils y sont tous, même. Sauf le marathon. Hein. Alors, est-ce qu'il y a le marathon? Je crois pas qu'il y ait le marathon. S'il y a le marathon. 5 minutes 20, ouais. Donc ben l'épisode est très très long, mais comme c'est le dernier, on va dire ça pour la dernière fois. Merci d'avoir suivi les esprits Amtaro. C'était le dernier, il y en a encore, mais il y a encore des jeux Amtaro, mais je ne les ferai pas. Je vais passer à autre chose sur la chaîne. C'est fini pour les Amtaro sur la chaîne. Vous pouvez donc voir les playlists des 3 jeux Amtaro. Ils ont été mis à jour tout au long. Des uploads des vidéos. J'espère que les jeux Amtaro vous auront plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle licence d'un animé qui a eu beaucoup de jeux vidéo. Je ne dis pas laquelle, je vous dirai peut-être son nom à la fin du Let's Play sur Street Fighter. Sur le Let's Play de Street Fighter. Bah, on se retrouve jeudi sur le mode arcade de Abel. En tous les cas, j'espère que cet épisode, ce dernier épisode vous aura plu. C'était Super Arcanin, à vous les studios.